Bonjour à toutes et à tous, Elodie tenant au like Mélodie. Une minute papillon, un temps pour soi. Alors, aujourd'hui je me réveille avec une vibration intérieure et j'avais envie de vous la partager parce que il y a comme une révélation. Alors vous, peut-être que je vais rien vous apprendre, mais j'ai, pour moi, c'est quelque chose qui a changé intérieurement. Pourtant, je le sais que ça fait partie de ma vie, donc pour être plus clair, je réalise vraiment que je suis une invitation à la joie d'être dans le mouvement de la vie et que la danse est un de mes essentiels et que c'est un de mes outils favoris pour transmettre cette joie d'être dans le mouvement de la vie. Et donc j'ai œuvré pendant longtemps à travers la danse, notamment à Marseille, au sein d'une association qui s'appelle Accorlim, où je transmettais les danses tziganes, un voyage du Rajasthan jusqu'en Andalousie, en passant par l'Égypte, la Turquie. Et puis des fois, on faisait des envolées vers d'autres pays du monde. Ça a évolué sur la danse du voyage, dans du voyage essence, en utilisant la citation d'un proverbe tibétain, le voyage est un retour vers l'essentiel, où on passait par les différentes techniques des danses du monde pour se libérer, pour ouvrir des espaces dans le corps en visitant d'autres techniques de danse du monde, toujours pour en fait finalement se rencontrer soi-même. Et puis j'ai senti les limites de tout ça et je suis partie en voyage. Moi, je fais court, hein, parce que suivi de burn-out, suivi de plein de prises de conscience où j'avais perdu le sens de ma vie. Donc je suis partie en voyage où j'ai tout quitté à la base pour un voyage de 3 mois et finalement ça a duré plus de 2 ans. Et là je me suis confrontée à moi-même. J'ai vraiment repris conscience de qui j'étais. Donc j'ai continué à me former, j'ai fait des rencontres, enfin, j'ai beaucoup évolué et finalement, tout me ramène à la danse, à la musique. Et j'ai fait la rencontre du Groka, danse la musique traditionnelle de Guadeloupe, qui me nourrit, qui me ramène à mon essence, à mon essentiel, à qui je suis dans mes profondeurs, bref. Et aujourd'hui, je me réveille où je me dis, mais oui, en fait, vraiment, la danse a un pouvoir énorme sur se rencontrer soi-même. Ça passe par le corps, et le corps, c'est notre première maison, notre premier véhicule de la vie. Apprendre à l'écouter, le corps est vivant, vibrant, relié, il nous relie au tout. Tout est dans notre corps, on retrouve tous les éléments de la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Tout y est. À partir du moment où on se reconnecte à notre corps, qu'on l'écoute profondément, sans trop s'écouter non plus, mais vraiment en étant dans notre percevoir, savoir, être et recevoir. Et là, je remercie les outils d'Access Consciousness auxquels je me forme actuellement. Bref, j'ai eu plein de prises de conscience aujourd'hui que je voudrais vous partager et que la danse, c'est pas forcément devenir des danseurs professionnels. En fait, j'avais un souci avec cette histoire de danse, artiste, prof de danse, qui je suis. Faut-il se définir, mettre une étiquette? Quelle signification on met aux choses? Bref, je suis pleine de questions, mais voilà. En résumé, je mesure à quel point la danse est la vie. Et que vraiment ma mission, si j'ai une mission à faire sur Terre, au-delà de transmettre la joie d'être dans le mouvement de la vie, c'est faire danser les gens avec la vie. Danser avec le chaos, la vie est mouvement, tout. Comment danser sa vie avec fluidité, joie, aisance, plaisir, sens. Mettre du sens dans notre vie, de la joie, du plaisir, que. Il y a plein de notions qui arrivent, mais voilà, on n'est peut-être pas là pour en chier au final. On n'est pas là pour endurer. La vie, elle ne se mérite pas. On est vivant déjà. On la mérite déjà. Nous sommes vivants. Et si on avait juste à la laisser nous traverser, à la laisser nous danser, à la suivre, à écouter nos élans, à écouter notre joie, et s'il y avait juste à percevoir notre corps, à le sentir, le ressentir, le laisser être. Avoir de la gratitude pour lui, le laisser nous mettre en mouvement. De toute façon,
On est mouvement, nos battements de cœur, notre respiration, on est mouvement. Donc vraiment écouter cet état-là et le laisser nous traverser. Oui, la vie est pleine de surprises, il y a plein d'émotions qui peuvent nous traverser, donc à quel point on peut se détacher de ces émotions ou alors les vivre intensément pour bah, se rendre compte que c'est finalement que des nuages qui passent et que des alignages et le soleil et que... Voilà, ça ne dure pas si on ne s'y attache pas, si on ne s'y accroche pas, si on ne s'identifie pas à cette émotion. Je suis ci, je suis là, de toute façon, moi je suis quelqu'un de colérique. Non! Il y a de la colère en moi. Et que faudrait-il pour que cette colère se transforme en amour? Derrière la haine, l'amour. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion? Qu'est-ce qu'elle vient dire? Qu'est-ce qu'elle vient me parler? Qu'est-ce qu'elle... Et laisser le corps parler. Je prends conscience que j'ai très envie d'animer, de reprendre cette place d'animatrice ou de facilitatrice d'atelier d'évidence en soi, l'évidence en soi. Voilà, pour que la vie danse en toi avec joie, plaisir, essence. Je prends conscience qu'en fait, j'ai envie de redonner des ateliers où la danse est au cœur du vivant, est au cœur du vibrant, est au cœur de ce que j'ai à transmettre. La danse est vie. Contacter et trouver l'évidence en soi par une écoute profonde du corps, par un amour profond, une gratitude envers son corps, apprendre à l'aimer, à l'écouter, faire corps avec lui, faire ami avec lui, un corps à cœur avec son corps. Et d'activer cette joie, ce plaisir et les sens, goûter à la vie par nos sens, notre corps est fait de sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Si on prenait conscience de tout ça et qu'on se laissait être par cette magie de la vie qui circule en nous à chaque instant, la présence en soi, l'écoute de soi, revenir au présent. Le présent est un cadeau. Vraiment, j'avais envie de vous transmettre cette prise de conscience et cette joie qui m'anime d'avoir envie de redonner des ateliers de danse, offrir un espace d'écoute de soi, d'expression de soi et de laisser être vraiment sans jugement. Voilà. Alors, les ateliers ont évolué entre danse cigane, danse du voyage essence et maintenant ce sera l'évidence en soi. Trouver l'évidence en soi par le mouvement, la voix et le corps. Le corps est au cœur de la pratique à chaque fois. Le corps, notre corps. Nous ne sommes pas que notre corps, mais nous sommes notre corps. Notre corps est notre incarnation, est notre véhicule d'incarnation, pardon. Donc, nous ne sommes pas que notre corps, nous sommes énergie. On est bien plus que notre corps, on est bien plus. Nous sommes vibration et énergie, mais notre corps, c'est notre véhicule d'incarnation dans la vie, notre première maison. L'écouter me semble primordial pour que notre vie devienne fluide, légère, pleine de grâce, de fluidité, de poésie. Faire corps avec soi-même, un corps à corps avec soi-même. Aimer la vie, se relier à elle. Notre corps est vivant, vibrant et relié. Tout ça, laissez infuser ces mots dans votre corps, sentez ce que ça vous fait. Et j'aurai un grand plaisir à vous accompagner en séance individuelle, si vous le souhaitez, à reconnecter avec votre corps. Ou je prépare... un programme en ligne qui s'appelle Circuler la voie est libre, affaire en autonomie, je vous en parlerai plus longuement. Et là, j'ai très envie aussi de m'adresser aux femmes, femmes sacrément divines,
pour qu'elle retrouve aussi l'évidence en elle à travers un regard féminin, se reconnecter à son corps, à sa féminité profonde, se réconcilier à notre dame de joie et flamme de plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse de cette prise de conscience et j'ai vraiment à cœur de vous accompagner dans cette transmission-là. Redevenons le danseur et la danseuse de notre vie. Je vous embrasse fort. Active ton GPS Magic You avec joie, plaisir et sens. À bientôt!